Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Edition Chita, tant de nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info. Quelque soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelle Parole. Nous, dans un spécial week-end, côté nous avons présenté un résumé de l'actualité. C'est ça que tu as gagné comme actualité et qui t'a fait. Donc, la une pendant la semaine, mais nous avons présenté en guise de ça. On connaît gagné question politique là lui-même qui après question donc question négociation pour gagner un nouveau gouvernement dans pays a différents accords politiques qui a parlé donc gagné divergence dans classe politique là donc gang armé y a même tout qui a fait la loi qui empêchait eh bien moun disons capable de joindre gaz dans pays a tant qu'il n'y a pas qu'à aller pour gaz dans terminal yo pour yo porter donc vinn distribuer dans pompio gagne question kidnapping dans tout papita que vendredi yo kidnappé docteur Lara dans Pétionville donc il même tout qu'a valé terrain question insécurité sous toute forme accident circulation côté moun ap mouri pas gain contrôle question circulation routière contrôle question véhicule kap circuler yo donc c'est des gros problèmes donc entre-temps eh ben ap di ou gagné un événement qui rivé pendant week-end nan la journée samedi a donc c'est premier ministre Ariel Henry donc avec plusieurs partis politiques dans opposition Zeldi point de fait part. Donc ici, journée samedi, dans le local résidence Premier ministre, dans Musso, donc il y a un accord politique qui porte nom accord politique pour une gouvernance apaisée, efficace pour période intérimaire. Donc c'est accord ça qui te réuni ben plusieurs dirigeants politiques, dirigeants à partis politiques, dans opposition. Dans primatia dans local résidence premier ministre dans Musso journée samedi à cause ça il prend en compte tout avis donc tout commentaire toute déclaration et des partis politiques qui fait avec organisation dans société civile là d'après premier ministre à disons Ariel Henry donc qui lui-même précisé à quoi il prend en compte tout eh bien, toute revendication légitime peuple haïtien qui doit donc mener sur route changement dans harmonie dans pays d'Haïti. Donc premier ministre Ariel Henry donc lui-même lui profiter occasion ça qui dans collimateur la justice à travers commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Bedford Claude et premier ministre Ariel Henry li fait connait ben li pa prend aucune intimidation ni question invitation donc qui pour brouiller piste là commissaire gouvernement a voyé bali donc li dit et ben pas gagner aucune intimidation qui a empêché le avancer dans route ça que il prend pour le mener pays à sur route changement et li dit que ben li pa prend non et tergiversation. Maître André Michel lui-même qui c'est porte-parole secteur démocratique et populaire donc qui lui-même signé accord a li dit li signé accord historique ça accord ça yo relé yo qualifié de un accord historique donc c'est parce que accord ça répond avec toute revendication peuple haïtien lui-même li t'a claironné ça gagne plus passé 3 années dans bataille yo t'a mené contre Jovenel Moïse sous pouvoir. Donc nous invité au suivre une après l'autre déclaration premier ministre Ariel Henry qui lui-même t'a fait proposition à Kossa. L'a dit pour qui ça il prend décision ça pour essayer rassembler donc tout tissu tout morceau qui déchiré pour le recoudio gagner maître André Michel qui lui-même c'est SDP secteur démocratique et populaire qui parle des divers procès qui t'a dû fait eh bien dans cadre à ça procès ça yo pral fait procès Petro Caribé procès massacre dans quartier populaire yo li parle tout de création yon force spécialisée qui t'a dû eh bien démanteler gang dans pays a pour mettre la paix dans pays d'Haïti gagné ingénieur Rosemont Pradel qui lui-même tout parlé qui représentait Fusion Sociale Démocratio gagné Sorel Jacinthe docteur Louis Jean
Emmanuel Ménard, qui lui-même représentait Force Louverturien. Donc, il y a tout Jean-Tolbert Alexis, qui c'est ancien député, qui lui-même parlait dans nos ensemble nous fort. Nous invitons à suivre déclaration cette personnalité, ça y est, une après l'autre, et puis après ça, on va faire commenter par vous. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun, qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles, dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En son conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du Conseil provisoire, électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable.
Tout le monde parle de rupture. Eh bien, moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mais revenons à l'objet de notre rencontre de ce matin. Pendant tout le week-end, de nombreuses organisations et personnalités viendront signer l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Nos amis de la presse auront de plus amples informations sur les noms des signataires ultérieurement. L'accord restera ouvert à la signature d'autres organisations. Mais nous avons compris qu'il est venu le temps de construire ce pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Carpierre qui m'accompagne pour signer et cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Moi, remercier les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous t'ai dit, population, hein, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous avons signé un accord politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promettons diaspora, que nous bataille pour que dans le conseil électoral qui pourrait le faire là, il y a un représentant là-dedans. Et comme dans l'accord ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous signons un accord politique ça parce que nous te dit, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. Nous signons un accord politique ça parce que dans l'accord politique, ça, il dit très clairement, procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belay, massacre Delma 32, dossier ça, il a avancé, il n'y a pas campé. Il y a un accord politique, ça, parce qu'il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique, ça, parce que nous dit, un dossier comme le dossier Petro-Caribé, d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est IRH, Dermalogue, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. N'a pas signé un accord politique ça, parce que dossier ça y est là-dedans. N'a pas signé un accord politique ça, parce que nous t'ai dit, population, hein, faut bon gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, après la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. N'a pas signé un accord politique ça parce que nous dit très clairement, n'a accord ça, il faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et nous même mettons en place n'a accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons signer un accord politique ça. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit PM non. Les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont des camarades de combat. Et dans l'accord politique, ça, il est dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques éparpillés à travers le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République.
n'a pas signé un accord politique ça parce que nous dit n'a pas une gestion efficace et saine des maigres ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ce Pétro-Caribé. Nous avons fini sur un accord. S'il pas clair que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. N'a pas signé un accord politique ça parce que revendication peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous vont côté, mais c'est pas parce que blanc pas voulu. Les acteurs politiques et de la société civile, tout le monde tellement besoin de président, nous pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous pas capables de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession, hein? Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le conseil des ministres, sous la direction du premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons un accord politique ça, parce que toute revendication populaire, population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci. Mes chers amis, merci, mes chers compatriotes. Nous-mêmes, représentants de la DIOPOD et représentants de la fusion des sociodémocrates, nous disons que c'est un honneur et c'est une opportunité qui est présentée là, côté que plusieurs groupes politiques, pas contre combien, parce que ça fait plusieurs groupes politiques, qui mettaient ensemble pour la première fois. Pour nous joindre un accord politique. Accord politique, ça, pour nous, c'est un départ, c'est-à-dire son premier pas vers ça que nous toujours appelons un projet national pour le pays d'Haïti. Plus de 200 ans d'indépendance, nous constatons que le pays a retrouvé dans une situation extrêmement difficile qui fait la pitié. Qui est appelé la pitié, en quelque sorte, de l'international, du pays et de tout secteur en de pays. Ça. 200 ans, plus de 200 ans d'indépendance, nous pas arrivé construit Santa Cabrelli, un réel projet national, côté que nous-mêmes, Haïtiens et Haïtiennes, nous t'a vivre mieux en de pays. Ça. Je veux dire, Haïti se retrouve dans une situation de pitié, côté que tout le monde, depuis au palais de Haïti, eh bien c'est la pitié, c'est la destruction, c'est Santa Cabrelli, l'échec total. Échec, je dis, c'est l'échec de toutes les élites de ce pays. Le pays d'Haïti n'a pas marché pour arriver côté lié là. C'est nous-mêmes élites qui prenons des décisions dans le pays, qui menons le côté lié là. C'est pour cette raison, je pense que à quoi ça, c'est un acte vraiment important que d'a posé là. Côté que nous poser les premières pierres pour nous reconstruire en quelque sorte pays ça qui est les Haïti à côté que nous dit un fond pays, un ensemble, nous met tout effort nous, toute force nous ensemble pour nous construire un pays côté tout haïtienne, tout haïtien qu'a vive bien. Côté que tout haïtien, tout haïtienne pas décidé jodi à si porte là t'est ouvert pour nous quitter pays. Côté que le désespoir campé en un pays, ça c'est le désespoir qui frappait toute jeunesse pays. Donc, je dis à la son pas considérable que nous faisons une date très importante qui 11 septembre qui t'a frappé les États-Unis. Nous croyons que c'est une grosse date que nous prenons pour nous faire à cause ça et à cause ça, nous croyons que avec la volonté de tout secteur politique, secteur de la société civile et secteur privé des affaires, eh bien, nous prenons fait le premier pas vers une nouvelle Haïti dans l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas un accord, un papier. Il n'y a pas un simple papier qui nous signe. C'est un engagement que nous prenons pour nous sortir Haïti côté de là. Donc, nous souhaitons que nous avons fait effort et nous avons gagné des résultats le plus vite possible. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais nous faisons le premier pas pour arriver à cette solution que nous tous avons cherché. Merci beaucoup et je crois que tout le monde a bâillé. Et ça est capable pour nous faire accroître une réalité. Je prends la parole, pas seulement en nom, mais en nom unité.
prends la parole pas seulement en nom, mais en nom d'IRPOD. Prends la parole au nom de tout le monde signataire PEN. Jodia, c'est une opportunité. Opportunité pour nous concrétiser tout ça que nous t'es habitué à dire dans 2 ans de bataille que nous menons. Camarades qui viennent avant moi, ils ont déjà dit pour qu'ils saillent aussi encore. Mais je vous dis à moi-même, m'a dit nous, nous avons une chance. Haïti ça qui finit la main nous. Nous-mêmes qui vivons tant qu'on rate, nous rentrons la caille, nous sortons seulement pour nous chercher un petit manger, pour nous faire une petite activité. Donc je vous dis à nous avons une opportunité pour tout ça nous avons dit pour nous commencer à jouer une solution ensemble. Pas seulement pour Sorel, pour Unité, pour Dirpod, pour PEN, mais pour nous tous qui voulons que le pays saute côté lié à nous Haïtiens, ensemble, nous allons voir comment nous allons sauter le pays dans le trou. Dans le trou que lié. Problème yo en pile. Avant-hier alors, rencontre que m'te gagné en radio, il t'a posé une question, mais l'on fin si yon, et qui ça? Et m'te répondu tout de go. Si nous fin si yon à cause ça, nous pas commencer travail d'abord ensemble pour question et sécurité ça, question gang pour ensemble, gouvernement, population, tout secteur, pour nous commencer à déplacer le pays sans que nous pas penser qui ça. Est-ce que nous avons passé Matissan? Est-ce que nous avons Jérémy? Est-ce que nous avons Okaï? Est-ce que nous avons Okap? Eh bien, c'est comme si nous l'avions même, nous suivions la tête. Donc, opportunité ça, la presse. Da souhaite au Cléonel pour tout temps pour Abdimou. Mais ça, Premier ministre, nous te dit. Mais ça, nous-mêmes qui sommes en quoi nous te dit. Pour ensemble, vraiment, je vais dire, dans cet espace-là, pour nous arriver aux élections, nous allons faire toute bagaille. Mais André Sodil d'aller. D'abord, élargissement prisonnier. Question procès Petro-Caribé, question massacre. Comment vraiment population, la presse, le monde entier, après que nous avons commencement, nous voulons, la volonté est là, et ensemble, nous avons sauté côté que le pays a lié et nous voulons sauter là. Content, ça a été déterminé pour me venir prendre la parole encore au nom d'une force et toute plateforme. Et surtout, l'autre partie qui a venu, nous connaissons venir pour nous faire bagarre la marche, parce que, comme le premier ministre a dit, son accord qui est ouvert, il n'est pas fermé, il va bien, fermer pour nous vraiment faire élection pour une institution qui campait tout bon, qui n'est pas tombé, et puis pour la population qui est content. Merci. Depuis quelque temps, le pays d'Haïti a vécu une crise. Mais une crise, c'est un bagage qui est passager. On fait une crise tension, une crise asthme. Mais politique là, mettez pays à une crise permanente. En pile fois, il dit, aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Mesdames, messieurs, je crois qu'aujourd'hui, à cette heure historique, l'heure des sacrifices est enfin arrivée. Nous autres, de la force louverturienne réformiste, membre du Bloc démocratique pour le redressement national, nous avons fait un choix. Un choix suivant la stratégie louverturienne pour le bien d'un peuple qui est fatigué, un pays qui est pris en otage. Aujourd'hui, nous avons dit ni, et nous avons choisi le collégial. Cette stratégie louverturienne est imposée par les circonstances de l'heure.
Mesdames, Messieurs, c'est l'Ecclésiaste qui dit « Une corde à trois ne se rompt pas facilement. » Le Premier ministre qui représente l'État, les partis politiques et la société civile se sont mis ensemble pour présenter à la nation cet accord. Cet accord qui s'imposera à tous pour le bien de tous. Mesdames, Messieurs, depuis cette initiative, j'entends déjà le boucan des accusateurs, des sceptiques. Nous avons tous pris ce pari risqué. Mais en vérité, l'histoire nous acquittera. Merci. Je pense que, effectivement, le pays a trop souffert. Il faut avancer. Et je pense que nous avons fait le bon choix. Et nous sommes prêts, justement, dans le cadre de cet accord politique, à avancer. Donc, il faut remettre le pays sur les rails. Et le pays a été pratiquement déraillé pendant Joussaïo. Nous avons beaucoup à faire. Le procès pour Maître Dorval, son bagage qui est Benoît Que, pour ces Petro-Caribé, tant que j'en ai un peu de monde qui parle là à Dille. Donc, on pense que c'est des bagages qui importants. Et nous, pas vrai, dit beaucoup plus parce que bon, c'est tout chef de parti, nous-mêmes, nous, ensemble, nous faut. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait justement, et sous la houlette du Premier ministre Ariel Henry, et compte tenu de vide juridique qui criait par rapport à la mort de l'ancien président, qu'il fallait avancer. Donc, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Et je salue tout le monde qui l'a eu, tout chef de parti, la sénatrice Edmond, le sénateur Sorel, le sénateur Ricard, bon, pas les citer trop, non, mais des collègues quand même, des députés, anciens députés. Donc voilà, bon, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous sommes présentés aux eh bien, différents et personnalités, différentes parties de qui ont même été représentés dans l'ACOSA. Nous avons rappelé au gagnant et M. André Michel qui signe ACOSA. Premier ministre Ariel Henry lui-même l'été est présenté. Gen Yuri Latortue, AAA, ancien sénateur Nenel Kassi, et donc sénatrice Edmond Suplice Bozil, donc sénateur Ricard Pierre, ancien sénateur, ancien député Antoine Rodon Bien-Aimé, docteur Charles Émile, donc ancien député Joseph Manès Louis, donc ancien et sénateur Sorel Jacinthe, Jean Gay, Liné Balthazar, et puis Emmanuel Ménard, ancien député Jean-Tolbert Alexis. Donc, ils ont tout pris part dans la rencontre ça qui était faite jeudi soir. Non, et disons, non, eh bien, bureau Premier ministre, dans résidence Premier ministre, côté, eh bien, ils ont dit, ils ont signé à Kosa, journée samedi à 9h du matin. Et c'est ça, exactement ça qui fait. Donc, zone Musso était bloquée matin samedi à côté, eh bien, dans un moment. Donc, diverses autorités, divers représentants, partis politiques qui ont signé accord si là. Donc, parmi tout accord, le Premier ministre Ariel Henry fait qu'on est libéral, mandé, donc, comité, disons, commission dans la société civile là, qui lui-même a cherché un accord à l'amiable, non, disons, un accord haïtien, une solution haïtienne à la crise là. Il dit libéral, si tu as parlé à qui, pour être capable, eh bien, prendre l'idée ça et mettre ensemble. Maintenant, c'est qu'on est. Et est-ce que y a d'accord et qui ça, ça prend le bail comme résultat, puisque d'après ça, le fait qu'on est, eh bien, tout le monde est parti qui signe à ça, yo mettez tête yo d'accord ensemble pour que yo dit, eh bien, tout de suite après à cause de la signe, la rentrer en application pour gagner un nouveau gouvernement dans le pays qui doit le travail pour mener vers l'élection. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est des amis frères Met Info qui tapent servi. Nous remercions pour écouter et attention. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.